What's up? Ici Chic Équilibre, Motivation FR 4. C'est là que ça se passe à Saint-Sauveur, dans Drive City. Chic Équilibre, authenticity. Oh yes! C'est plus facile pour moi de faire des vidéos en anglais qu'en français, mais là, je vous gâte, ok? Je le fais plus pour vous que pour moi, mais je le sais que au Québec, on a besoin de plus de monde comme moi, qui est là, qui dit qu'est-ce qu'il y en est vraiment, ok? La réalité, c'est que moi, depuis 2014, j'ai repris ma vie en main, ok? Avant, je faisais des crises d'angoisse au travail. J'étais rempli de mauvaises habitudes, de dépendance. Je manquais de confiance en moi. J'aurais jamais, jamais été capable de monter une montagne, puis j'aurais jamais, jamais été capable de faire des vidéos, puis j'avais même pas le courage de sortir en public, ok? J'essayais de passer incognito. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Ben là, il est temps de reprendre votre vie en main, ok? Ça prend juste un déclic, ok? Un moment que vous dites, je suis prête au changement. Je suis tanné, ça mène à rien. Il faut que ça change. Et peut-être c'est cette vidéo-là, en ce moment, que vous écoutez. Moi, Chic Équilibre, qui a 31 ans d'expérience, mais qui a vécu l'enfer dans sa vie. Là. Parce que j'ai compris une chose, c'est que la société voulait pas que j'atteigne ma pleine puissance. Parce que ils peuvent plus me contrôler maintenant. Depuis 2014, moi, j'ai commencé à marcher en forêt. J'ai commencé à respirer. J'ai arrêté de fumer. La cigarette, c'est une grosse étape pour moi dans ma vie. C'est quelque chose que je suis très fier. Parce que ça m'a permis de reprendre mon souffle. Et ça m'a aidé aussi à faire un sport que j'aime vraiment. Le freeline skate. Et ça m'a permis aussi de reprendre ma santé en main. Manger des fruits et légumes. Arrêtez de manger de la viande. Je suis encore dans le processus en ce moment. C'est pas facile, mais dites-vous une chose. Quand vous vous faites contrôler par le gouvernement puis la société, vous avez aucune chance. Zéro. Rien. Nada. Vous allez vivre dans la peur, dans l'angoisse, puis vous n'avez aucune chance d'accomplir vos rêves. Alors, vivez une pleine expérience de votre authenticité en reprenant votre pouvoir. N'attendez pas à demain, parce que demain, il sera peut-être trop tard. Il est temps maintenant, aujourd'hui, live là, d'être qui on est, de dire « Ok, je suis prête au changement, je vais expandre. » Ça se dit-tu? Expandre? On va dire que ça existe, ok? On va expandre son confort, ok? Parce que là, en ce moment où vous êtes là, vous êtes dans votre comfort zone, ok? Vous êtes dans votre confort, puis le confort que vous avez est rempli de mauvaises habitudes et contrôlé par le système. C'est pour ça que ça marche pas. Ça marchera jamais. Parce que les autres, ils ont toute une équipe, puis tout un système qui fait que vous avez pas le droit à atteindre ce que vous êtes supposé atteindre en étant l'humain que vous êtes avec tout l'équipement
de Dieu que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous dis une chose, OK? Il faut commencer aujourd'hui, OK? Il faut admettre que vous êtes prête au changement. C'est déjà un grand pas, là. Et là, il faut recommencer à respirer. Il faut commencer à être en paix. Parce que vous avez souffert beaucoup. Alors, c'est simple, OK? Ça coûte rien. Méditez. Respirez. Fermez les yeux. Et laissez les pensées passer dans votre cerveau sans que vous jugez ce que vous pensez. Laissez les choses comme elles le sont. Il faut accepter la réalité et il faut être conscient des illusions. Alors, je veux faire un short vidéo, fait que je vais arrêter ça là. Oh yes! On top of the mountain, au top de la montagne, à Saint-Sauveur, laissez la magie agir. Laissez la résistance de côté. Reprenez votre pouvoir et foncez la tête haute, la tête claire, dans un chemin positif, rempli de joie et de lumière. Prenez ce qui vous est dû maintenant.